Excusez-moi, une distraction. Bon week-end, monsieur. À lundi. À lundi. Vous pouvez m'avancer un peu? Je rentre chez moi, je passe par Versailles. Parfait. Demain, je continuerai ma route. Où allez-vous? Côte d'Azur, Italie. La Turquie, peut-être. Vous n'êtes pas très fixé. Personne ne m'attend. Si vous n'êtes pas pressé, je vous offre l'hospitalité pour la nuit. Demain, je reprends la route. D'accord. Je viens de faire l'acquisition d'un château au centre de la France où mon majordome m'attend. Aussi, je serai seul pour vous faire les honneurs de la maison. J'espère que cela ne vous effraie pas trop. Oh non, rassurez-vous. Nous voici arrivés. Vous buvez seul? Oui, quelquefois. Devant le feu, avec un bon livre, ce n'est pas désagréable. Voulez-vous un verre de champagne? Pour faire de beaux rêves. Ou préférez-vous que je le répande sur votre corps pour m'en servir comme d'une coupe? Vous êtes prêts? Nous partons. Si nous nous arrêtions. Mmh. Bonne idée. Si nous faisions quelques pas. Oh oui, je vous en prie. Vous avez déjà été amoureuse? Oui, espace d'un chagrin. C'est pour ça que vous êtes enfuie? Je ne sais pas. On se repose un peu? Si vous voulez. Tu as un beau visage, fait pour exprimer la tendresse, la passion, la souffrance aussi. Oui, c'est ce que je veux. Ce n'est rien. Je voulais seulement sentir la vie couler entre mes doigts. Ta peau est douce. Pardon, tu m'as rendu fou. Je ne voulais pas te faire mal. Tu ne crains plus rien à présent. J'aime te serrer dans mes bras. Calme-toi. Essuie tes larmes. Assez! Tu m'entends? J'en ai marre de tes caprices. pas vu, pardon, j'étais fou. Tout, y aura tout. Je ne te demanderai rien, tu m'entends rien. Des vêtements, des bijoux, des fourrures. Tu ne demanderas rien. Je ne serai plus jamais. Non, ton pardon seulement. C'est ton pardon que j'ai besoin. Stéphane. Plus vite. Stéphane. 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 Stéphane, tu es cassé. Une poupée de sang. Tu étais seulement une poupée de sang. Et j'ai cru que tu étais une femme. Je l'ai cru un instant. Et cela m'a fait mal. Si mal. Et tu n'étais qu'une poupée désarticulée. Je vais être en retard. Bonsoir, monsieur le comte. Bonsoir, Karl. J'espère que monsieur le comte a fait bon voyage. Oui, merci. Jeanne, montez les bagages. Non, pas celui-là. Je m'en occuperai moi-même. Merci, Karl. À l'abri de cette forêt, vous pourrez vous reposer sans nulle crainte. La vie est éphémère. Que dites-vous, Karl? Je vous demande pardon, monsieur le comte. Je philosophais. Sur quel sujet? Sur la fragilité de l'existence humaine. Peu importe, Karl, c'est selon. Selon quoi, monsieur le comte? L'utilité, bien sûr. Dans un royaume, seul compte la vie du prince. Très juste, monsieur le comte. Père, ma tâche touche à sa fin, et j'en suis fier. Des années, j'ai parcouru l'Amérique et l'Europe pour le retrouver. Sur mes conseils, il a érigé sa fortune. De mon poste, j'ai pu, à son insu, le guider dans la voie que vous souhaitiez. Car, mon fils, aide-moi à échapper au tourment de l'au-delà. Accepte que je survive en toi. Toute ma vie, je l'ai vouée à mon maître, le comte Zaroff, jusqu'à devenir son complice. Oui, pour assumer son infernal destin, mon maître s'était arrogé le droit de vie et de mort sur les êtres humains. Et mon âme n'aura de repos que si tu me jures de retrouver son descendant et de ranimer en lui le sadisme héréditaire de cette famille maudite. J'en fais le serment. Je lui ai fait acheter cette demeure perdue où pourront se libérer les forces maléfiques si longtemps contenues en lui. Un peu de vodka. Vous percevez toujours mes moindres désirs, Karl, pour les exalter. Comme l'ombre, monsieur le comte, qui amplifie nos moindres gestes. Vous m'êtes très précieux. L'ombre disparaît avec la vie, monsieur le comte. Pauvre fille, sa condition l'empêchera de se plaindre des sévices qu'il lui fera subir et de l'abstinence à laquelle il la contraindra. Merci, Karl. Ah. Voici Jeanne. Elle est prête pour le bon plaisir de monsieur le comte. Dois-je la faire monter dans la chambre? Non, Karl. Ma journée est déjà bien remplie. Demain, nous verrons. J'aspire à un peu de repos. Ingmar. Ingmar. Bien. Qu'êtes-vous? Anne de Boisrivaud. Que faites-vous ici? Je viens chercher quelqu'un. Qu'est-ce qui vous effraie? La mort. Ce n'était qu'un accident. Vous savez bien que non. Rappelez-vous. C'était un soir d'orage. Il y avait bal au château. Regardez. Serrer d'autres dans tes bras. Mais ton mari? Que peut faire un mari jaloux contre la folie d'une femme qui a découvert l'amour? Lui faire découvrir la mort. Qu'importe. Nous avons toute une valse devant nous. Si monsieur le comte préfère un visage familier à celui d'une inconnue, c'est bien facile. Nous apporterons un autre tableau de Paris. Non. Non, merci. La nouvelle secrétaire téléphone qu'elle ne peut venir qu'à 20 h pour se présenter. Je vais lui dire que c'est inutile, le bureau sera fermé et même le portier sera parti. Oui. Attendez. J'ai un dossier à étudier dans le calme. Je serai encore là. Je la recevrai. Vous avez des références? Je viens d'arriver à Paris. J'ai pris des cours de secrétariat par correspondance, mais je n'ai pas de référence. Je suis seule et j'ai vraiment besoin de travailler. Si vous êtes libre ce week-end, vous partirez vendredi après-midi avec mon chauffeur. Je viens de faire l'acquisition d'une propriété qui nécessite de nombreux travaux, dont nous ferons l'inventaire. Cela vous servira d'essai. D'accord ? Entrez, mademoiselle. Vous désirez me dicter avant le dîner? Non. Ce soir, récréation. Nous commencerons demain. Asseyez-vous. Non. Là. Avez-vous fait bon voyage? Oui, merci. Offrez une coupe de champagne à mademoiselle. J'ai déjà préparé le verre, monsieur le comte. Merci, monsieur. Mademoiselle n'aime pas ce champagne? Oh, si, si, monsieur. J'aime les heures de la nuit, quand du château englouti au fond de sa forêt, nos âmes s'envolent avec notre conscience et que nos instincts libérés s'affirment et se déchaînent, rythmés par les pulsations profondes qui se propagent dans tout notre corps. Si vous désirez vous apprêter pour le dîner, vous trouverez dans votre chambre de quoi vous parler. Puis-je suggérer à monsieur le comte de rejoindre sa loge? Le spectacle est déjà commencé. La scène qui se déroule ne saurait le laisser indifférent. Merci, Karl. Abandonne-toi au sortilège du miroir. Il nous ouvre un monde merveilleux où se dédoublent nos visages et nos âmes. Approche-toi de ce piège, gentille alouette. Ce n'est pas dans un miroir que tu te reflètes, mais dans mon regard. L'important, Nathanaël, c'est le regard et non la chose regardée. Ils t'enregistrent et te recréent différemment pour contenter tes aspirations les plus secrètes. Séduis-toi. Nul autre au monde ne peut guider plus étroitement ton plaisir que toi-même. La peur est mauvaise conseillère. Habillez-vous. Vous ne serez jamais prête pour le dîner. Oh, je vous en prie, ne me laissez pas ainsi. Ce serait cruel dans cet état. Ingmar va la calmer. Ah! Allez, Ingmar, va, va, elle est à toi. Non! Nous sommes en panne à quelques kilomètres. Pouvez-vous nous héberger pour la nuit? En l'absence du maître, je ne puis vous recevoir. Oh, je vous en prie. Qu'y a-t-il, Karl? Leur voiture est en panne, monsieur le comte. Je ne vois pas ce que nous pourrions pour eux. Si. Leur offrir l'hospitalité pour la nuit. Bien, monsieur le comte. Entrez. Permettez. Merci. Le dîner va être servi. Je vais vous montrer votre chambre. Francis, je suis folle de joie. Il t'en faut peu. Une panne de voiture, des kilomètres à pied à travers la forêt. Tout de même, quelle chance cette lumière au loin dans ce pays perdu. Si c'est de la chance, on ne le sait qu'après. Oh, toujours ton pessimisme. Moi, je suis très heureuse de passer une nuit dans un château. Avec le maître d'hôtel, ce n'était pas le coup de foudre. Oh, on ne peut pas séduire tout le monde. Mais cette aventure me ravit. Prépare-toi vite. Il ne faut pas les faire attendre. Qu'est-ce que tu as? Francis, le corps d'une femme, là, sous la fenêtre. Le corps d'une femme? Mais tu es folle. Allons, dépêche-toi. Non, mais je t'assure, viens voir. Regarde. Il n'y a plus personne. Mais tu es stupide, avec tes plaisanteries de mauvais goût. Qui porte un cadavre. Oui, viens voir, je t'en prie. Regarde. Il n'y a plus rien. Muriel, chérie, si tu me déranges encore une fois, j'ouvre la fenêtre. Et cette fois-ci, il y aura vraiment le corps d'une femme sur le terre-plein. Et tu seras la seule à ne pas le voir. Pourquoi? Ce serait trop long à t'expliquer. Oui, je sais. Oui, qui porte un cadavre. Si c'est un jeu, c'est idiot. Allez, viens. Je descends seul. Viens. La région est sauvage. Vous êtes isolé ici. Nous avons erré très longtemps avant de découvrir votre château. Nous étions complètement perdus. Le recueillement de ce lieu me repose de mes affaires. Nous vous remercions de l'avoir sacrifié pour nous. Mais cette solitude n'est-elle pas un peu angoissante? Bien au contraire, mademoiselle. L'angoisse provient des autres, des sentiments, des émotions, des remous profonds qui suscitent en notre âme. Muriel est hypersensible. Elle ne peut empêcher son imagination d'inventer des histoires rocambolesques. Tenez. Impressionnée par votre château, ce soir même, à la fenêtre de sa chambre, elle a cru voir un cadavre... Oh, je t'en prie, ne te moque pas de moi. Mais personne n'y pense, mademoiselle, car vous avez raison. Le présent et le passé sont plus étroitement liés qu'on ne le croit. Et si vous êtes un tant soit peu médium, un lieu comme celui-ci où nombreux drames se sont déroulés peut vous mettre dans un état de transe qui vous permet de les revivre. Tiens, tu vois, moi je crois tout cela. Figurez-vous que ce soir, devant votre portail, j'ai entendu un cri horrible. C'était un oiseau de nuit. Je l'ai vu s'envoler. Ou peut-être une des innombrables plaintes poussées par d'innocentes victimes torturées dans la salle basse du donjon, où subsistent encore quelques instruments. salle de torture? Oui, mademoiselle. Et merveilleusement conservée. Francis, le château est endormi. Si nous descendions visiter la salle de torture? Pour nous rompre le cou, merci. Tu as des goûts dépravés. C'était pour profiter de l'occasion. On a rarement cette chance. La voiture est en panne, ça suffit comme chance. Allez, viens dormir. Tu dors. Dis, Francis. Oh. Que cherchez-vous, mademoiselle? La salle de torture, il y a une mort. Qu'est-ce que tu as? Je crains d'avoir effrayé votre fiancée. J'ignorais qu'elle fût si sensible. Allons, chérie, Viens te repousser. Demain au soleil, tu n'y penseras. Non, mais Francis, je t'assure, je l'ai vu. Ne sois pas une enfant, c'est stupide. Mais je te jure. Son désarroi est profond. Je pense qu'il faut la débarrasser de ses chimères en lui prouvant que c'est faux. Car, apportez des torches. Excusez-moi, mademoiselle. Attention, les marches sont glissantes. Attention, chérie. Merci, Karl. Rassurons cette jeune fille. Voyons ce qui l'horrifie. Allons. Nous voici arrivés. Où était la victime? Sur la table. Il n'y a rien, pas la moindre trace. Mais elle était là, sur la table, la tête ensanglantée. Encore tes hallucinations. Monsieur, je suis navré. Non, ce n'est rien. Vous désiriez visiter cette salle, voilà qui est fait. Je dois dire que c'est d'une grande diversité, très impressionnant. Qu'est-ce que c'est que ça? Un double croc de boucher, auquel était suspendu un homme corpulent, qui se vidait entièrement, entraînant une horrible agonie. Tout patient était marqué au fer rouge dans le dos, selon le degré de la question à laquelle il devait être soumis. Regardez. Et ça, à quoi ça servait? C'est avec cet appareil, mademoiselle, que l'on brisait les reins, les pieds fixés au sol, les bras tendus en arrière par des chaînes. Après quelques heures de tension, la colonne vertébrale se brisait d'un coup sec, entraînant une paralysie atroce. Oh, où est ça? Ce masque de fer fixait la mâchoire pour que l'on puisse arracher la langue, épargnant la gorge, afin d'empêcher le patient de s'étouffer. Voilà un bel outil. Cette lame de cuivre incurvée déjointait les articulations, en brisant les os, et provoquait ainsi une douleur intolérable. On dirait une sculpture moderne. Avec ce fer courbé, on pouvait énucléer la victime en étirant très lentement le nerf optique, ce qui provoquait une telle douleur qu'elle entraînait presque toujours la folie. Quelle recherche dans le sadisme! Oh, à quoi ça servait cette table? À punir les femmes infidèles. On appelait cela le lit d'amour. Oh, quel joli nom pour un instrument de torture. Qu'est-ce qu'on leur faisait? On se contentait simplement d'attacher l'un contre l'autre les amants héréditaires. On peut essayer? Bien sûr, si cela vous amuse. Car, fixez les chevilles. C'est pas très confortable, hein? Mais on le recouvrait de sa partenaire. Viens, Muriel. Je t'invite à partager ma couche. Merci de cet honneur. Vous permettez? J'imagine que la douleur était proportionnelle au poids de la partenaire. Peut-être qu'on leur mettait aussi du poil à gratter. Non, mademoiselle. On les unissait pour toujours. Ah, c'était merveilleux. De quelle façon? En actionnant un levier. Voulez-vous essayer? Oh, oui. Oui. Karl? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Un peu de patience, mademoiselle. T'es bien ennuyée, hein, maintenant? T'as les mains tachées. Ouais, parce que je peux pas te bloquer une claque. Je crois qu'ils se souviendront longtemps de leur visite. Bonsoir, Karl. Bonsoir, monsieur le comte. Descendez vite libéré. À l'instant, monsieur le comte. Oh, où sont-ils partis? Ne t'inquiète pas, ils ont voulu seulement nous faire peur. Ils vont bientôt revenir. Oh, ce bruit de machinerie, c'est infernal, on dirait un pont-levis. Et puis, mes poignets et mes chevilles me font mal. Oh, reste un peu tranquille. Sois patiente. Francis, tu dors? Oh, je n'en peux plus, fais quelque chose. Ils vont revenir. Il ne faut pas avoir peur. Ils seraient trop contents. Oh, Francis, s'ils étaient fous, si tout cela était pourtant vrai. Bonjour, monsieur le comte. Bonjour, Karl. Avez-vous passé une bonne nuit, monsieur le comte? Merci, Karl. Comment se portent nos amoureux? Ils nous ont quittés à l'aube, monsieur le comte. Père, nous atteignons notre but. On ne peut lutter contre la nature profonde d'un être. L'amour d'une morte ne peut rien contre l'obstination d'un vivant. Monsieur Zaroff. Monsieur Zaroff. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Une jeune femme a téléphoné plusieurs fois. Elle vous attend. Comment s'appelle-t-elle? Anne de Boisrivaud. Je m'appelle Jeanne. Ah! 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 Anne. Anne. Boris. Anne. Boris. Boris, viens, viens! Boris, viens! Viens! Boris, viens! Ne m'abandonne pas! fait tout mon possible pourtant. Elle a été plus forte que moi. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à commencer à vivre.